général, hein. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu lors du dernier match? Moi, ce qui m'a plu, c'est l'engagement et la détermination qu'on a mis sur ce terrain-là et sur ce match-là, surtout les 30 premières minutes où on est vraiment rentré. Et je crois que c'est un des premiers matchs où on rentre vraiment de suite dans le match, où on est dans les consignes, dans le jeu qu'on veut mettre en place. Et surtout, on est aussi dans l'occupation du terrain. C'est chaque fois qu'on n'a pas avancé, Gérard nous a maintenu la pression de Dax dans leur camp. Et ça, c'est pour imposer notre jeu, c'était parfait. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu aussi, c'est que dans les moments les plus difficiles, on n'a rien lâché. D'ailleurs, la preuve, puisque défensivement, on n'a pas pu laisser. Donc ça, c'est un bon point. Et on a rien lâché, on a continué à travailler, même sur la fatigue. Il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer, notamment au niveau de la discipline dans notre camp, parce qu'encore on fait trop de fautes dans notre camp. Mais voilà, quoi, plus positif que négatif. Essentiellement en fin de première mi-temps. Voilà, la période la plus critique, c'était essentiellement en fin de première mi-temps, où c'est simple, hein, comme je l'ai dit depuis la semaine, 30 minutes de fautes, 10 minutes c'est une faute. Voilà. Est-ce que... On l'attribue à quoi ça? On l'attribue, c'est qu'à un certain moment, on est fatigué, on a l'attention, la concentration qui baisse, et on subit le plaquage, on veut aller au contest, et c'est là où on est à la faute. Et aujourd'hui, les arbitres, qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre samedi dernier? Il a avantagé l'équipe qui avait ici et qui jouait. Et chaque fois que nous, on a reculé, qu'on a subi, il nous a sanctionné, tout à fait logiquement. Voilà, donc il faut que... Il y a des moments où il y a des périodes difficiles, il y a des périodes où c'est compliqué, mais c'est là où il faut qu'on passe ce qu'on appelle le dos rond, laisser passer l'orage, et il faut qu'on se concentre sur la discipline pour ne pas faire de faute. Je suis tenté de reposer la question que j'ai posée la semaine dernière, à savoir qu'on a 30 minutes où ça se passe très bien pour nous, et au niveau du jeu de ligne, on vient de nouveau buter sur la défense de Dax. Là, je repose ma question. Est-ce que c'est un problème de réglage? C'est pas un problème de réglage. Simplement, sur la première mi-temps, on a tapé sur cette ligne de défense parce que c'était la stratégie du jeu. Notre stratégie pour ce match-là, sur la première mi-temps. Et donc, je crois qu'ils ont respecté les consignes. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est comme ça qu'on a... Parce qu'on voulait... On voulait que Papy et Andrew, on voulait que l'équipe rentre très vite dans le match et dans l'engagement pour imposer le jeu. Donc il a fallu déterminer un endroit où il fallait taper pour la circulation des joueurs. Et voilà, c'est pour ça qu'à la première mi-temps, il y a eu beaucoup de rentrer dans cette défense pour qu'après, en seconde mi-temps, on puisse réorienter notre jeu. Sur plus d'intervalle et de largeur. Parce que quand on a écarté, il y a eu en particulier un ballon qui arrive un peu haut sur Charlie Maillet qui fait un en avant. Mais on a montré qu'on avait les possibilités de prendre de l'avantage. Bien sûr qu'on a la possibilité. Bien sûr. Par contre, on n'arrive pas à le traduire. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de traduire ce qu'on fait à l'entraînement, à le mettre en pratique sur le terrain. Voilà. C'est la difficulté pour d'ailleurs, ça va être un peu ça. Mais je crois qu'ils travaillent de mieux en mieux. Il y a des automatismes qui s'acquièrent de jour à jour. Donc je crois que c'est une question de temps. C'est une question de temps. Nous, devant, on va dire, je ne dis pas que c'est plus facile. Simplement, c'est ces petits périmètres. On a des attitudes, de la cohésion qui arrive plus vite que derrière. Parce que derrière, il y a des courses, il y a de la lecture du jeu, il y a la technique qui rentre en jeu, il y a la communication, il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui prennent plus de temps. Que nous, où on est plus concentré sur un petit périmètre dans le travail de cohésion. Mais ça va venir. Non, monsieur, c'est pour faire le constat de ce qui s'est passé. Ça. Alors, tous les joueurs, ceux qui étaient là l'année dernière, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir rendu la pièce à Dax? Ils étaient tous là l'année dernière. Non, chaque pour mon cas, Dax l'année dernière, ce ne sera pas Dax cette année, Béziers l'année dernière, ne sera pas Béziers cette année. Donc, chaque année, bien sûr, on le met dans le coin de la tête, mais c'est de là où on ne doit pas perdre à la maison, et c'est
j'étais loupé. Mais ça nous a fait plaisir de les avoir battus. Ah ouais, mais ça me fera plaisir de battre n'importe qui, que ce soit Massy ou même. Enfin, ça sera. Maintenant, on doit baiser, doit battre tous ceux qui peuvent. Tous ceux qu'on doit battre. Enfin, ceux qu'on va battre. Et ça sera. C'est pas parce que c'était Dax ou même Carca. Ou... Alors bien sûr, il y a toujours un peu de rivalité. C'était pas une mauvaise équipe l'année dernière. Ouais, mais c'est plus la même. Et comme Béziers n'est plus la même cette année, quoi. Donc maintenant, c'est. Chaque équipe, on change. Enfin, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de roulements, c'est plus les mêmes, c'est plus. Ça fait plaisir d'avoir gagné. Pas parce que c'est Dax, mais. Est-ce que Philippe, est-ce qu'il y a des leçons de l'année dernière, des erreurs de l'année dernière, que cette année, donc c'est aussi une expérience qui va vous servir? Ah oui, parce que de toute façon, le groupe a changé, donc les hommes ne sont plus les mêmes. Mais bien sûr, de toute façon, c'est comme dans votre métier, chaque année on prend du bagou. Polo, Charlie qui sont un peu plus jeunes, et chaque année ils progressent, on progresse tous les jours. Donc forcément, on sait les erreurs à ne pas faire, on les fera peut-être, hein. Mais on reproduira, ce ne sera pas voulu. Mais voilà, maintenant c'est. On y va à fond et voilà. J'ai envie de poser la question à Paul. Apparemment, l'apprentissage se fait de mieux en mieux. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer contre un gros pilier comme Ratien disait? Ben moi, bien sûr, j'acquiers de l'expérience. Hein. C'est journée après journée, dès que je peux faire une feuille de match, j'acquiers cette expérience, car à mon poste, ben, c'est très compliqué d'être jeune. On voit que les piliers arrivent à maturité assez tard. Donc, ben pour moi, c'est une chance. Et c'est que du bonus. Que du bonus pour la suite. Vous êtes plus à l'aise quand même? Oui. Ben à force de travailler, comme on a fait une séance tout à l'heure de mêlée, on acquiert certains automatismes, certains petits réglages entre les lignes première, seconde. Et c'est pour ben, être plus à l'aise le week-end. Et c'est vrai que ben, petit à petit, je suis de mieux en mieux sur le terrain. C'est bien. Il est un promu qui sera une équipe pas facile à jouer, surtout après la déconvenue et après la Carcassonne. Mais il y a quand même là aussi une victoire qui est plus qu'envisageable pour Béziers. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. On va chez le promu, même si nous on était repêchés au normal, mais c'est notre deuxième saison en Pro D2, on va chez le promu. Massy c'est une équipe qui est très joueuse, puisque avec le staff, ça fait 2-3 ans qu'ils fonctionnent ensemble, ils ont une qualité de jeu assez importante, ils s'appuient sur une belle conquête qui est la mêlée, et c'est très joueur, ça joue de partout. Maintenant, ils sont leur apprentissage. La dure réalité de la Pro D2, il faut gagner. Donc là, Massy est en train d'apprendre. Je pense que là, la seule victoire qu'ils ont, c'est à la maison, c'est chez eux, puisqu'ils sont sortis deux fois après derrière. Donc il faut se méfier, puisque c'est une équipe quand même, qui a vraiment charmant sa peau là-bas. Mais nous, l'objectif, oui. Est-ce qu'il faut se montrer patient, pas s'emballer face à ce genre d'équipe? Mais face à ce genre d'équipe, c'est, oui, c'est ne faut pas croire qu'on est arrivé. C'est réaliser au minimum ce qu'on a fait sur les 30 premières minutes contre l'Ax, augmenter notre niveau de jeu, l'élever, être meilleur sur la conquête et notamment sur la touche, et garder le même niveau de défense qu'on a eu contre l'Ax. À partir de là, si on assure encore une fois la trilogie, je dirais, les clés du match, sur la défense, la conquête, l'occupation. À partir de là, à l'extérieur, ça va être encore plus un jeu et on se donne toutes les chances de réussir. Oui, parce qu'a priori, jusqu'à maintenant, sur leurs trois matchs, ils ont été solides devant, ils ont fait chier tout le monde. Bien sûr, oui, parce qu'ils ont fait chier les Carcassonne à mêlée. Oui, donc, et en plus de ça, ils ont. En fait, ils perdent 9 fois sur 10 sur des problèmes de naïveté défensive. Équipes adverses, enfin les équipes qu'ils ont rencontrées ont l'intelligence et la réalité de la Pro D2 et qu'eux n'ont pas encore. Voilà. Maintenant, qui retarde leur progrès. Okay, la progrès ce soir. Que la naïveté perdure. Voilà. Charlie Maillet, c'est une nouvelle saison avec plus de certitude pour le moment pour toi pour être dans l'effectif que l'année dernière. Comment tu vis ça? Bon, la certitude, j'en ai pas plus que l'an dernier. Après, tout le monde, quand on démarre la saison, on ne sait pas trop comment va se profiler la saison. Il y a des blessures, il y a des choix de l'entraîneur.
Donc la saison, je la démarre du bon bout, j'essaie de m'entraîner, de progresser et puis de donner le meilleur possible sur le terrain. On te sent quand même plus sûr de toi que lors de tes premières participations. Oui, je suis beaucoup sûr. Après, j'espère que ça ne va pas me jouer de défaut. Des fois, j'essaie d'en faire un peu trop, donc il faudra que je calme sur ça. On repart à la vidéo, l'entraîneur. Oui, même moi, après le match, déjà, j'arrivais à me remémorer les mauvais choix. D'accord. Ça vient de quoi? C'est la fuite de la jeunesse, de jouer devant son public? Un peu des deux. Je pense que c'est plutôt la jeunesse qui fait ça. Après, si je ne le fais pas à 20 ans, c'est pas à 35 ans que je le ferai. Il ne faudra pas que je fasse ça comme tous les week-ends. Moi, tu analyses correctement la situation, c'est déjà... C'est pour ça qu'à la conférence, elle a mis qu'il y avait des gros. Pour qu'ils s'en plaignent. Pourquoi qu'ils s'en plaignent? Pour attaquer dans les oreilles. Vous avez été Bakary, que vous connaissez, puisque vous avez joué avec lui l'année dernière. C'est un sanguin. Oui, non, mais après, Baki m'a envoyé un message ce matin, il ouvre déjà des places. Donc ça veut dire déjà qu'il joue. Il a déjà récupéré des places. Non, mais Baki, de toute façon, ça a été un leader l'année dernière. Je pense qu'il est rentré chez lui. Voilà, il va vouloir en faire, et peut-être en faire trop. Quoi. Donc, à nous de faire en sorte qu'il en fasse le maximum pour qu'il se loupe. Et puis, voilà. De toute façon, ça reste un excellent joueur. Ça reste un excellent joueur et il voudra montrer qu'il avait sa place à Béziers. Et que, voilà, quoi. Donc, apparemment, c'est une des meilleures depuis les trois matchs. Voilà, donc, tout le monde le sait à cette table que Baki est un excellent joueur. Quoi. Est-ce que vous avez évoqué le fait que cette quatrième journée, avec le programme qu'il y a, une victoire peut nous faire remonter à la 9e ou 10e place? On pense c'est tous les jours. On ne dit pas c'est tous les jours, mais non, c'est très bien que déjà les joueurs ont un objectif précis pour cette fin de bloc. Et ça passe automatiquement par une victoire à Massy. Massy va nous permettre de décoller. Quoi. Voilà. Si on fait le constat de ce début de saison, on a fait quoi? On a fait 4 matchs amicaux, on a gagné un. On a fait 3 matchs championnat, on a gagné un. Voilà. En sachant qu'on a pris les deux plus gros morceaux. En sachant que Brive, encore, la victoire nous a tendu les bras et qu'on n'a pas réussi à la prendre. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que sur ce début de saison, on n'a pas encore enchaîné 2 victoires. Ça serait bien d'enchaîner 2 victoires consécutives et une troisième pour la fin du bloc. Voilà. Si on arrive à faire ça, on se repositionne dans en milieu de tableau pour la fin du bloc et là c'est parfait. Quoi. Et là on réalise une bonne performance. Oui, parce que le calendrier de la quatrième journée nous est assez favorable finalement. Dans les pronostics. Dans les pronostics. Maintenant, entre ce qu'il y a sur le papier et ce qu'on va faire sur le terrain, il y a des fois un fossé. Donc, tout à fait. Aujourd'hui on n'est pas encore à chercher ça. On se concentre sur nous-mêmes, on se concentre que sur Massy. Parce que aujourd'hui, l'équipe a besoin de maîtrise, de maturité, de vie de groupe encore plus importante pour pouvoir après réfléchir à dire voilà, là on peut faire ci, on peut faire là. Là aujourd'hui, tous les matchs comptent pour bien se positionner dans ce championnat. Il y a une fois. On a pris l'habitude de gagner, la maturité et la cohésion de l'équipe, ça va donner de la confiance et ça va être encore plus, cette équipe-là, Béziers va être encore plus dangereuse que,